Bienvenue à tous sur la chaîne Cosmos. Alors là, je vous explique le concept. Bah, on est parti en urgence parce que Igor, qui est ici présent, ouais, a trouvé une BMW E46 à aller acheter. Bah, nous, on habite à Nice, pour vous dire. Et il en a trouvé une à Colmar. Donc Colmar, c'est en Alsace. Donc là, il m'a dit, ouais, j'ai réservé un bus. C'est par là, donc là, ben voilà, on arrive au bus. On a 14 heures de bus. Allez. L'arrivée de notre véhicule pour, on dégage. Pour 14 heures. Donc, il s'engage. Hein. Vas-y, suis-moi. Propreté, propreté. Oh, je vais vomir, frère! Il y a un petit souci, les gars. Il m'a rien à grailler. Et il n'y a rien à grailler. Tu peux lui dire à Max, c'est quoi le souci? Donc, Max, en fait, le souci, c'est que là, on est au bord d'autoroute. Il n'y a pas de resto. Et il n'y a rien à manger. Je vais te maraver. En fait, comme il n'y a rien pour manger, bah, on va regarder sur Uber Eats. Sauf qu'il me localise sur. Sur l'autoroute, en fait. Attention, est-ce que, voilà, commandez. En vrai, les gars, commandez un Uber Eats, ça vous sauvera, vraiment. Parce que là, on est sur une autoroute. C'est les lumbags. C'est trop à loco, j'en peux plus. Encore 6 heures, mec. Bon. Je sais pas si on voit bien l'heure. Il est 2h30. Oh là là. Éclaté. En plus, on peut pas dormir, c'est une misère. Bon, du coup, après avoir fait 13 heures de bus et la moitié de la France, et bah là, bah, on va reprendre un train, évidemment. Tout ça pour une voiture. Putain, je vous dis qu'on les aime, hein, nos caisses. Hein. Après, on a un problème. Le chien volé, et le mec il a volé le chien et la voiture. Ça fait gitan, était dans la voiture, fenêtre légèrement abaissée, le voleur ont pris gitan ainsi que le sac à main de la maîtresse. Non, en vrai c'est pas cool, c'est pas cool. Contactez ce numéro pour plus d'informations. Tournez à droite vers place de la gare. Non, faut aller tout droit. Prendre à gauche sur place de la gare. Bon les amis, elle a l'air pépite la voiture. Elle a l'air neuve, il y a les radars de recul full option, il y a même des trucs, je savais même pas qu'il y avait. Là, quand t'as ça, déjà dans une BM, les gars, quand t'as la trousse à outils d'origine avec tout dedans, les papiers, c'est que c'est bon. Tu vois, plus l'état et tout. Alors, j'ai dit, ah, bah, elle est vendue. Il me dit, j'en ai acheté une hier. Il me dit, c'est un BM de monsieur. Le régulateur, ça a d'essayer sur place. Oh, l'intérieur, il est pépite. En plus, t'as le petit son BMW. Bon, tu l'as acheté ou pas? Bah ouais. T'es content? Ouais. Une merguez en plus? Exactement. La station essence, le premier plein. Alors ça y est, la voiture est achetée. Igor, le nouveau propriétaire. Voilà. Alors ressenti à chaud. Ressenti à chaud, j'ai l'impression d'être dans une voiture présidentielle avec le bois comme ça. Ouais. Non, franchement, très très content, très très content. Le prix aussi. Toujours une voiture qui est restée dans la même famille, entretenue toujours chez BM, propre. Elle est full option, elle a même les radars de recul d'origine. Et il reste plus qu'à commander les pièces performance AliExpress. AliExpress Performance Parts, ouais. Mais ouais, intérieur, vraiment intérieur bois laqué qui vient de Germanie, sur couture. Parfait, airbag latéraux. Les sièges, les cuirs sont simples. Toit ouvrant, vraiment petite lumière à l'arrière. Rétro-chauffant. Rétro-chauffant. Ouais, c'est la full option. Rétro-chauffant. Oh. Like you.
like I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I tried to resist. Alors là, voilà, donc on suit le GPS. Donc là, on arrive sur l'autoroute. Et on est en... Il nous reste encore 5 heures. Voilà, il nous reste 5 heures de route. Il y a déjà des gens qui sont sortis des voitures. Voilà, les gens sont sortis tellement ça doit, ça roule pas. Les gars, on a un petit souci sur le retour. On vous cache pas. Il y a un petit problème de bouchon là. Donc là, on est carrément arrêté. Voilà, c'est super. Il y a 1h30 d'attente. Donc là, tout le monde est arrêté. Bon, après, on est arrêté à côté d'une GT3 RS, donc c'est plutôt pas mal. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Donc on est tous là, voilà. On est super ravis d'être dans les embouteillages. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Cosmos Vision, à nous suivre sur Facebook et aussi à vous abonner parce que c'est grâce à vous que vous nous donnez de la force pour faire des expéditions comme celle-ci. Voilà. Plus à... jamais une expédition. Allez, ciao, ciao les gars.